passe près du Bois d'Orne pour aller aujourd'hui retrouver la chapelle flottante. Normalement les vélos sont interdits. Les vélos sont interdits dans le Bois d'Orne. Il y a des panneaux, mais on voit quand même des cyclistes y aller. Et comme on est du côté flamand, il y a beaucoup de routes balisées pour les vélos. C'est vraiment la frontière linguistique. Ici, vu comme c'est dégueulasse à terre, plein de cailloux, j'imagine qu'on est du côté francophone. Avec un petit banc. Donc il y a quelqu'un. Il s'est passé quelque chose ici. Donc il y a eu un crash d'avion. Évidemment, comme on est du côté néerlandophone, même si on est 500 mètres de la frontière linguistique, même pas, faut être en néerlandais, hein. Du côté là, c'est la même chose du côté francophone, hein. Ils ne passent pas leur temps à mettre tout dans les deux langues directement, ils font un peu leur guerre politique. Donc voilà, ici on profite bien des beaux petits paysages et des vergers. Petit doigt, ça ne se mange pas, on connaît les ânes, hein. Bon, j'en suis un aussi, hein. Je sais bien que tu veux, si je me mets le doigt, tu vas croquer dedans pour savoir si ça se mange. On est en province du Limbourg. Les lamas ont leur coupe d'été, ils ont été tondus.
C'est un itinéraire que j'ai tracé moi-même avec Komoot en mode gravel. Les ornières, c'est chaud. Vraiment pas encore l'habitude. C'est comme ça que mon pneu glisserait que d'être déchaussé d'urgence. Et Komoot avait mis déjà le mode gravel, mais n'était pas encore au point. Ici, ils ont fait des mises à jour. Et le mode gravel a été amélioré. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont créé des parcours gravel avant la mise à jour, il suffit qu'ils aillent sur ce parcours, qu'ils cliquent sur modifier et puis enregistrer, et le parcours va se modifier lui-même en gravel. Et là voilà. La chapelle en lévitation. Elle a été faite avec des morceaux de bois. Parfait pour une boîte de chauffage. J'attends du gravel, pas faire plus que de petits sentiers comme ça, ou avec des graviers. C'est pas plus pour moi pour le gravel. Sinon je prends mon VTT. À présent, Komoot ne se trompe pas sur ce qu'est le gravel. Et voilà, la balade s'achève sous le soleil et avec du vent de face. Même en descente, j'avais du mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour voir mes photos et mes tracés, n'hésitez pas à me suivre sur Strava
et Kumut. Et on se retrouve bientôt dans le monde de Black Hawk, le monde à moi. Ciao, ciao tout le monde.